Salut à tous et à tous, c'est d'accord. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo achat-revente. Donc on va dire c'est un investissement, comme on sait tous les ans il y a la Saint-Patrick's. Du coup, bon, il n'y aura plus les compétitions comme les années suivantes, donc étaient en division en ligne, enfin des compétitions en ligne si vous préférez. Du coup là ça sera des squad builders et pourquoi pas aussi des critères dans Fut Champions. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir sur quelques joueurs tout simplement irlandais. On va aller à Everton, il y a quand même pas mal à Everton. Hop, Everton, voilà. Bien sûr, si je mets pas irlandais, ça va pas le faire. Alors, République d'Irlande. Hop. On voit qu'il y a du McCarthy, du Gibson. Ça coûte rien de toute façon. On va aller voir le plus bas possible. Je pense que c'est Gibson qu'on va trouver à, ouais, à 500 crédits peut-être. Voilà, vous en achetez 2 ou 3 max. C'est ce que je vais faire devant vous, voilà, en live. Hop. Pas plus. Comme ça, si pour Fut Champion, il faut des Irlandais, bah vous en aurez dans votre club. Ils coûteront pas cher. Voilà. Sachant qu'en plus, ils sont en BPL, donc c'est plus facile à caser. Voilà, donc on a acheté 3. J'envoie tout sur la liste des transferts. Ensuite, on va prendre un petit peu de McCarthy. Voilà. On va se mettre à 7. Ah, merde. 700 crédits. Alors, 700. Hop. Je pense qu'il y en a quand même. Ouais, il y en a deux. On va prendre les deux à 700. Et bien sûr, on va chercher Seamus Coleman. Je sais pas combien il est, Coleman. J'ai pas fait gaffe à regarder sur Futbin. On va voir, de toute façon. Défenseur droit. 800. Ouais, il coûte rien du tout. Ok. Donc, investissons aussi sur Coleman, ce qu'il est utilisé en Futchamp. Parce que c'est 850 le moins cher. Juste garder s'il y a un style, quelque chose comme ça peut toujours aider. Sachant que la Sainte-Patrick, c'est quand, je sais pas, je crois que c'est au mois de mars ou mi-février, je me rappelle plus. Ok, il n'y a pas de style. Base, 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 base. Ouais. Ok. On va prendre celui à 12. Hop là. On va prendre 3 comme ça. Voilà. Ensuite, on va aller voir pour le gardien. Parce que s'il faut faire une équipe entièrement. Là, je parlais donc là, c'était pour Fut Champion. Parce que je pense qu'il y aura des critères ce week-end-là. Enfin, cette semaine-là, pour cette semaine-là, je pense. Il faudra des joueurs irlandais, je pense. Minimum un ou deux. Donc voilà. Mais je pense qu'ils vont faire aussi un DCE, c'est même sûr. Du coup, il faut un gardien. Donc, hop, gardien. Irlandais à 250, je pense que ça se trouve, ouais. Mais qu'il soit argent, je sais pas si ça existe. Si, si. Ah, il y en a, je savais pas. Donc on voit qu'il y a lui qui a vraiment le choix. Après, ce que je vous conseille, c'est vraiment des gardiens en BPL. Voilà, on voit qu'il y a du Westwood, du Shay Given. Ça peut être pas mal. De les choper à 350, voire 400 crédits. On voit qu'il y en a tombé à 400. On l'a pas eu. Parce que s'il y a un DCE, donc automatiquement un gardien. Comment dire? Un gardien irlandais, du coup, bah, les prix vont augmenter, ce qui est logique. Après, vous pouvez aussi essayer. Je sais pas s'il y a de gardien argent. S'il y en a. Il y a Randolph. Bon, pourquoi pas Randolph? Peut-être en prendre un. Juste un seul. Ok, 850. 19 contrats, on va prendre celui-là. Ça pourrait être pas mal. Il joue en BPL. Il est argent. Irlandais. Il joue à West Ham. Donc, des liens verts. Potentiel. Puisque je crois qu'à West Ham. Il y a aussi des Irlandais, voilà, c'est bien ce que je me disais.
Delaney, Rissé, Oshie. Du coup, s'il faut. Non. Ah ouais, mais si tu mets pas West Ham aussi. Voilà. Il n'y a que Rhys. Ouais, il y a Rhys. Je confonds avec les années passées. Ouais, c'est ça, il n'y a que lui. Hein. Ouais. Bon, vous voyez, c'est que ça peut faire un lien vert avec Rissé. Ouais, ce qui peut être pas mal. Donc moi j'espère cette vidéo donc d'investissement donc pour la Saint-Patrick, que ça soit pour Fut Champions, parce que je pense qu'il y aura des critères. Faut avoir au minimum un ou deux joueurs irlandais pour son Fut Champions. Et donc pour les TCE vous auront plu. C'est surtout pas à bombarder Albert dans like, ça fait extrêmement plaisir. C'était la Cox, allez, ciao les gars.